Combat final. Eh ben, je suis chaud, les mecs, pour tabasser Cynthia, là. Je me sens chaud patate, du coup, on va lui casser la gueule. Mais tout d'abord, bon, en fait, je pense qu'on est prêt, hein. J'ai tous les potions et tout. Alors, je suis peut-être pas assez à un niveau, on va me dire, mais j'en ai rien à foutre. J'ai envie de mettre Maganon devant. Parce que je crois que c'est le premier, ce petit insecte. Donc, let's go! Oh là là, la musique incroyable. Bon. Il faut qu'on soit sûr. Hein, je vais acheter des guérisons. Je veux pas soigner en fait. Je sais pas pourquoi je vais soigner en fait. Je sais pas ce qui m'a pris, bref. Bref, madame, je vais acheter des guérisons. Ah mais non, mais. Ah, elle a plein de Pokéboules. J'ai pas de Luxe Ball, je vais en acheter juste pour la collection. Potion, super potion. Guérison, tu vois, j'en ai que deux. En vrai, guérison, c'est fort si vraiment je suis dans la merde. Mais c'est ultra cher. Hein. Je vais en acheter une vingtaine. Tu vois, c'est 60 000. Aïe, 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 aïe. Ça fait trop mal. Bon. Eh ben, les amis, il est temps d'attaquer. Oh, il est bugué. Mais putain, mais avance. La tête qu'il a. Putain, mais on dirait Jimmy. Papinox, d'accord. Cinquante-trois. Donc c'est très élevé. Pour être honnête, c'est très élevé. C'est très élevé parce que quand on va arriver au dernier conseil 4, bah il va être niveau 60 en fait. Carine. Ouais, j'ai mis en mode défini du coup. Oh, il attaque en premier. Oh, le bâtard. Non, jure, il a one shot. Oh, mais coup critique aussi. Allez, chais. Ah, mais il a l'orbe flamme. Oh putain. Bon, je le one shot avec aéro piqué, hein, sa faiblesse. De toute façon, il peut pas m'attaquer. Hein. Je vais faire un guérison. Enfin, un rappel sur ma Ganon. Pourquoi il fait façade? Putain, mais il fait chier son Scarino là par contre. Hein. Moi, je veux surtout que mes Pokémon soient en vie juste pour l'XP, quoi. Voilà, 61. Charmillon, ok. On continue à faire aéro-piqué, hein. Apirène. Bon, Apirène, défense chiante. Du coup, je vais faire Rapace, je pense. Bon, je vais perdre beaucoup de PV, mais tant pis. Hein. Ouais, bon, c'est en dernier, c'est Drascore, je me rappelle de ça.
Putain, 57 quand même. Putain. Oh oui, il a évité l'attaque. Lol. Ah, il le tient de ouf. Ouais, je le tiens pas. C'est la première fois que Raptor il est KO dans le jeu. Je rigole même pas. Ouais, je le tiens largement. Et voilà, le premier conseil 4, c'est fait. Pas de difficulté, hein, honnêtement. Mais il m'a fait mal. Hein. Bah, alors, son premier Pokémon au prochain, c'est qui? On va mettre Mustéflotte. C'est peut-être Marais, ouais, je suis en train de me dire. Ou c'est Barbicha, putain, ouais. C'est Barbicha. Putain, alors si c'est Barbicha, par contre, je suis vraiment trop fort. Hein. Oh, il s'appelle Terry, putain, j'avais oublié son prénom. Bon, Terry est très chiant hein, avec ses types sol. Hein. Oh, c'est moche derrière, c'est quoi ce bordel? Ah, mais c'est Marest. Bon, bah voilà. Trancharp, ça doit suffire pour le tuer, hein, je pense. Ça lui fait x4. Et pas du tout. C'est un scandale. Oh, il la reste. Putain, s'il est niveau 55, Cynthia va être niveau combien, bordel? Barbicheur, bon, voilà. Je vais lui tempérer de verbe dans la gueule, tant pis, on s'en fout. Ouais, bah heureusement, parce qu'il avait une baie en plus. Voilà, c'est important qu'il monte d'XP, parce que Cynthia, en fait, finalement, ça va vraiment être dur. Hein. Putain, mais il a que des types... Non, bah non, en fait, il est juste roche, lui. Peut-être sol. Je sais plus. Oh putain, il le tient, quoi. Balayage. Tranquille. Putain, mais il fait quand même mal, hein. C'est un truc de fou, hein. Golem, ok. À tous les coups, il doit avoir fermeté, donc go tenter Trancherbe. Bon, jamais il me tue. Hein. Jamais il me tue. Hein. Ah, il a fermeté. Ah, dommage que j'ai pas vive attaque, par contre. Ok, fait guérison, très bien.
Son plus fort Pokémon, c'est Hippodocus, hein. À Terry, hein, il me semble. Je crois que c'est bien, ouais, c'est bien lui. Hein. Là, c'est son quatrième Pokémon qui arrive, non? Hippodocus. Donc lui, c'est le plus dangereux. 59, putain de merde. J'espère que j'attaque avant. Hein. Ouais, j'attaque avant. Oh, il a Crogive le bâtard. Bon, il est KO. Hein. Ça va, Torterra, il a fait un très bon boulot. Mais c'est son dernier ou c'est son... Attends. Ah, mais c'est son dernier. Faire cascade pour s'en assurer. Voilà. Close combat, non, c'est pas la peine. Hein. Vraiment, non. C'est physique, donc c'est pas la peine. Et Terry, c'est fait. Bon, finalement, on a eu un Pokémon KO. Hein. Bon. Je pense qu'on va mettre tout de suite Mistyflotte. Hein. Oh, ouais, si, je sais qu'elle a Spiritomb. Je sais pas du tout quel Pokémon mettre. Ça va vraiment être compliqué. C'est galopant en premier. Et oui, c'est galopant. Ah, j'ai encore un peu de souvenir de la Ligue 1. Putain! Oh le bâtard, il a direct toxique. Oh non! Ça c'est chiant par contre. Ouais, ça va être chiant. Je dois être plus rapide que le Steelix, non? Ah, j'aurais dû faire cascade, j'ai mis l'item exprès, je suis trop con. Aïe aïe aïe, je vais pas tenir à son attaque. Je suis trop débile là, par contre. J'aurais peut-être dû heal, trop clair. Aïe aïe aïe. Ouais. Il a forcément une attaque feu, faut réfléchir. Il a forcément une attaque feu. Une attaque sol. Envoyer tour à tort. Bon, il a sûrement l'âme de rock, mais je vais baisser son attaque au moins. On va rappeler Mistyflotte. Il a sûrement l'âme de rock. Que de faire, bon, tu vois. Franchement, ça vaut même le coup de faire close combat. Hein. Je dois pouvoir le tuer. Oh, ça passe pas, sérieux? Mais c'est une vanne! Genre, ça passe pas le close combat? Non, mais j'hallucine. Ah, j'ai baissé ma défense comme un ouf, tu m'étonnes. Bon, on va profiter de ton switch parce qu'il va changer de Pokémon. Hein. Enfin, il va se soigner. Par contre, s'il attaque, je serais trop dégueu. Voilà, il soigne son Pokémon. On va rester focus sur cascade. Hein. Oh là 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 là, je lui fais aucun dégât. Putain, il y a eu la trouillesse. Let's go, continue. Go go go. Oh là là, dommage. Je pense qu'il va me chier avec Crogive là par contre. Enfin, Croéclair. C'est craqué. Il a évité l'attaque. Je suis mort.
Bon, Stylix le plus relou. Je me rappelle plus. Enfin, je me rappelle pas qu'il a mis un Stylix. Hein. Il a Lockpin, mais what the fuck? On va continuer Cascade. Hein. Oh, je le tue presque, oh, putain. Oh, je le tiens. Incroyable. Je le tue jamais avec Vivat. Ah si, Aquajet, je pense que je le tue peut-être. Je dois pouvoir le tuer avec Aquajet. Mais non! Oh, je le tue pas avec Aquajet. Oh, j'ai trop la haine. On va mettre Lucario. Putain, mais il fait trop mal son Lockpin, sérieux. Son dernier gros drive. Ah non, gros drive. Putain, mais il va avoir une attaque feu en fait. Tant pis, j'attaque. Je prends le risque. Ah bah non, il attaque avant. Ah non, Libur. Oh non, pas ça, pitié. Oh non. Ah bah là, je vais spam aéro piqué. Hein. Ah bah ouais, mais là, c'est mort en fait. Hein. Mais là, c'est mort en fait. Genre. Je vais spam aéro piqué comme jamais. Hein. Ouais, si tu veux. Oh là là, c'est compliqué. Sinon, je mets mon Luxray et je fais ma chouille. Je vais tenter. Je devrais baisser son attaque de toute façon là. Relais c'est quoi? Il revient dans sa... Ok, c'est ça. Salut baby! Ça marche pas de soucis, bisous à toi baby. Mes gros poutous. Oh, je veux jouer cancer. Hein. Voilà, il me tue. Jamais il me tue, hein, jamais. Hein. Mais non, mais. Mais comment il peut rater KG Clair à ce niveau? Putain, sérieux. Ouais, je vais bien jusqu'à qu'il rate son attaque, quoi, le Luxray. Merci. Je vais bien, je suis très focus sur la ligue. Mais moi j'attaque avant. Putain, mais. C'est bon. J'évite la. Oh non, mais le PV de merde, putain. Ouais, t'as loupé beaucoup de progression. Mais là, je suis un peu dans la sauce. Hein. Donc, soit je mets Lucario, je fais vitesse extrême. Mais il a match punch en fait. Du coup, c'est pas rentable du tout. Bon, je vais pas prendre de risque, hein. On va faire aéro piqué. Il va sûrement faire match punch. Non, c'est bon. On va jouer tranquille, on va jouer à aéro piqué. Feu follet, bah yes. Hein. Merci baby, gros bisous à toi et bonne soirée. Ça qui est vachement bien. Ah bah ça va, je suis soigné de brûlure, c'est fantastique. Moi je vais faire rapace, hein, let's go. Faut qu'on lui pète sa merde. Hein. Ça passe.
Et bombe finale, je pense. Même pas. Je vais arriver. On espère. On espère, on espère. Allez, dernier conseil 4. En vrai, il m'a pété la gueule. Genre, vraiment. Il m'a défoncé, quoi. Et en total soin. Ok. Ah oui, j'ai pas soigné Luxray. Mais en vrai, j'ai pris la sauce. Hein. Ça va être compliqué hein, contre Cynthia, hein, je pense. Bon, c'est qui son premier Pokémon à Mistinguette, là? Je crois que c'est Mentally. Déjà, Lucario, c'est mort. En fait, je pense que Luxray, c'est le mieux. Mais vu qu'il est niveau 63, j'ai envie de mettre Torterra. Genre, vraiment. Je crois que c'est Mentally, hein, mais tant pis. Dis-moi que c'est Mentally. Ah, c'est Monsieur Mime. Oh non, il va foutre ses murs-lumières de merde. Putain, chier. Ouais. Ah, c'était sûr, ça, de toute façon. Je vais lui faire zéro dégâts. Oh! Ah, il faut qu'on switch, hein, ça sert à rien. Il va faire mur lumière ou je sais pas quoi. Soit je joue cancer. Ah, je vais jouer Maganon. Putain, il a psycho, hein. Je pensais qu'il allait faire mur lumière. Mais non. Ah bah voilà. Oh putain, quel fou le mec. Pas de coup critique, s'il te plaît. Pas de risque, on va soigner. Ça me heal pas complètement. Je pense que je le tue là, lance-flamme. Je le tue pas, mais non. Oh, en plus, il va refaire. Ouais, putain, la coup critique, hein, comme par hasard. Putain, mais quel enfoiré. Déflagration, il va faire guérison de toute façon. Voilà. Vaut mieux qu'il fasse guérison sur lui que sur un autre. Putain, ça fait zéro dégâts, quoi. C'est un scandale. Bon, il va faire psycho, hein. Faut qu'on joue. Faut que je joue avec un autre Pokémon, je pense. Je veux jouer Torterra. Putain, mais il fait trop mal son psycho. Hein. Plus de protection. Go faire machou. Ouais, mais il va refaire protection, voilà. Putain.
Ok. Ça baisse sa défense. On va refaire une fois. Puis je vais soigner mon Maganon. Oh putain, il va le mettre KO avant. Ouais. Putain, mais... Compliqué, hein. Aïe, 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 il fait beaucoup trop mal, c'est n'importe quoi, il me fait un coup critique. Non mais sérieux, quoi. Mais je m'en fous, je vais remettre hyper potion, faut arrêter hein, les coups critiques, là, frérot. Hein. Non mais c'est bon. Il a cru quoi, là? Ah, il fait trop mal, le monsieur Mime. Hein. Putain. Bon, je devrais le tuer avec ma chouille, je pense. Oh là 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 là. Ah, alléluia, ça dégage. Charmina. On va switch, on va mettre tour à tour. Et là, le Charmina a l'âme de roc. C'est vraiment cool la luck, hein, par contre. Hein. Oh, je vais le foutre, mon meilleur rapace dans sa gueule, hein, c'est bon. Et je le tue pas. Lol. Mais oui, c'est... puis Voltier, je tiens un PV, je crois, de toute façon. Mais non, jure, il fait guérison. Mais non, c'est trop triste. Il va refaire point glace, hein, du coup. Mais tu sais qu'il me fait très mal, hein, lui. Hein. Ah non, il fait pied voltige, putain. What? Comment il a fait pour me mettre KO d'un coup? Alors là... Waouh! Ah mais je suis con, il a point glace. Putain, pourquoi je l'ai envoyé? Bon, on va soigner quelqu'un. Ah ouais, non mais là, faut pas déconner. Hein. Oh putain, il me fait tellement mal. Oui, c'était stupide d'avoir mis Torterra, mais tant pis. Ouais, faut se calmer, là. What the fuck, les dégâts qu'il fait. C'est aberrant. Ah, j'aimerais bien savoir les stats de Charmina, parce que putain, il me fait trop mal. Hein. À la Kazam. Ah, oh, c'est son meilleur. Oh putain de merde, qu'est-ce qui fait mal. Putain, il fait préscience. Tant pis, je vais attendre que Maganon meure. C'est fait exprès, hein, Etoraptor. Ah bah là, j'ai galère de ouf. Hein. On réfléchit, il a 3 Pokémon. Moi, j'en ai plus beaucoup. Hein.
Déjà, Lucario peut rien faire, faut être honnête. Après, Luxray, je peux lui foutre ma chouille hein, dans sa gueule. Ah, il attaque encore. Oh, il fait une machination. Oh ah ouais, non, mais jusqu'au bout, il va être fou malade, hein, le mec. Ok. Ah, ça va, il a une défense de merde. What the fuck, précision, ça one shot, c'est quoi ce bordel? Bon, Lucario, je t'en supplie. Hein. Je t'en supplie. Yes, bien joué. Girafarig, ok. Bah, il a pied voltige, hein, 100%. De toute façon, je pense que je vais finir avec Luxray, au pire Maganon, parce qu'il a Archéodong encore. Oh non, il fait Murlumière, non mais sérieux. Non mais frérot... Ok, je vais refaire machination. Je prends un risque, mais tant pis. Hein. Ah ouais, jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Aurasphère, c'est le plus logique. Je dois tenir normalement, sinon c'est un scandale si je meurs. Ok. Ça baisse quoi ? La défense spéciale, on s'en fout, on s'en fout. Il faut pas que tu rates ton attaque. Allez, let's go. Oh putain. J'ai vitesse extrême, let's go. Yes, ça passe. Bon, son dernier, c'est Archéodong. Putain la vache, merde. Il attaque en premier, mais non. Oh, il a séisme. Oh aïe, 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 aïe. Si la séisme... Il vaut mieux que je mette Ethoraptor, hein. Je sais ce que je vais faire, au pire. Au pire, si ça passe pas... Je veux voir combien il perd. Est-ce que ça le one-shot? Ça le one-shot pas! J'aurais pu attaquer. Moi, que j'attaque en premier. J'attaque en premier, ok. Ok, ça va. D'accord, donc il emmerde le monde, alors que donc ça qui est vachement bien. Bon, est-ce que mon Maganon peut attaquer en premier? Ok, j'attaque en premier. Je pense pas que je le mets KO. Si, c'est bon. Pouf! Alors, honnêtement, ce conseil 4, il était vraiment compliqué. Enfin, compliqué. En vrai, En fait, c'est le seul conseil 4 où il joue strat, entre guillemets. Genre, il casse ses murs lumière et tout ça, protection, c'est pas simple du tout. Bon. Donc là, ça risque d'être un massacre. Mais non, mais je veux pas faire tenir la Pokéball. Bon, je vais mettre tout de suite Luxray. Hein. On va paralyser le Spiritomb, hein, vraiment. Ouais, je pense que ce qu'il va faire en plus, Cynthia, c'est qu'elle va...
Elle va mettre direct son Karchakrok quand elle va voir mon Luxray. Et là, en plus, ça va être compliqué. Hein, son Karchakrok, là, ça va être vénère. Bon, je vais juste faire un petit pipi. Je reviens tout de suite, les mecs. À toutes. C'est bon, je suis de retour. C'était rapide. En fait, pendant que j'ai pissé, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que c'est pas mieux de mettre Lucario en premier? Parce que, à tous les coups, si je mets Luxray, il va mettre son putain de... On va mettre Lucario, ouais. Il va mettre son Karchakrok, il va tout de suite switch. Bon, c'est possible qu'on perde. C'est possible. Parce que c'est les Pokémon, on va être niveau 65, je pense. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire en premier? Bon, j'attaque en premier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je sais que les attaques combat, ça marchera pas sur, sur lui. Ok. Non, mais c'est n'importe quoi. À aucun moment, il doit me faire autant de dégâts, en fait. Genre, clairement. À aucun moment, il doit me faire autant de dégâts. C'est abusé. Genre, vraiment, c'est pas une vanne. Genre, à quel moment il m'enlève tout ça, en fait? Ouais, ça n'affecte pas. Je vais tout de suite soigner mon Lucario, là, parce que là, c'est pas possible. Hein. On prend zéro risque, hein. Là, on... Vibre obscur. Tu m'enlèves toute la vie aussi? J'ai 200 PV, faut pas déconner. Hein. Oh là 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 là, mes frères, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel hein? Tu vois, au piqué, ce que ça fait, du coup? Parce que je lui fais zéro dégâts. Bon, logiquement, il devrait pas me tuer. Hein. Ok, j'attaque en premier. Ah, putain, il a une béco. C'est pas vrai. Est-ce qu'il va faire ombre portée? Pas ombre portée, mais... que là, il va faire ballon, gros, je pense. Ou alors il fait vibre obscur, j'avoue.
Ok, ça va. Potion max. Hein. Ah, il va faire vibre obscur, donc le. Voilà. Ah, évidemment. Pourquoi c'est plus fort son attaque? Bon, tant pis, je vais faire un pass. On tente le tout pour le tout. Oh, ça passe pas, évidemment. Ça passe pas. Bon, bah, rip et tour à tour. Bon, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Hein. Voilà, claque ta guérison. Très bien. Très bien comme ça. Bon là, on va profiter pour soigner tout le monde, là, littéralement. Hein. Pour ça, on va voir, elle va faire quoi comme attaque d'ailleurs. Ok, très bien. Ok, on se heal tranquille. Pas l'ombre, ok. Moi je sais ce qu'elle va faire ça. C'est aberrant, hein, vraiment. Tout de suite, on va faire changer clair. Il va forcément faire bas l'ombre. Je pense qu'elle a au moins deux guérisons, honnêtement. Mais non, il fait vivre obscur, mais putain. Oh là là. On va tenter, hein. Ok, elle retire Spiritomb. Tritosaur ? Pourquoi Tritosaur ? Pourquoi Tritosaur, en fait ? Genre, elle a tonnerre ? Parce que sinon, moi, je mets mon Torterral, en fait. Hein, et je te fais la meilleure tempête verte. Hein. Jamais elle tient à tempête verte, en fait. Hein. Tombe roche, ok. Ça baisse ma vitesse, au pire. Je vais soigner. Hein. Ouais, bon, si elle spam ton broche, c'est bon. On s'en fout de ma vitesse. On s'en fout. C'est pas du tout important, hein, vraiment. On s'en fout complètement. Franchement, on s'en fout complètement. Hein. Ah, et c'est vrai que sans l'hyper potion, là, c'est vraiment compliqué. Hein. Honnêtement, ouais. Le fou. Hein. Je peux plus courir, ça y est. Tu parles de qui, Pané, putain, il est con. Dernier message que j'ai, c'est Baby Yuga. Non, on le banne pas, il est gentil. Boum, la tempête verte. Non, il est gentil, t'inquiète. Ah, tu trolls, excuse-moi, je suis focus sur le maître de la ligue, Milobilus, ok. Donc voici ce Pokémon le plus chiant de l'histoire, défensivement. Et à tous les coups, elle doit avoir Blizzard. Parce qu'elle casse les couilles. Oui, c'est de nouveau, ça. C'est le remake Diamant et Perle de 2006. Oh là là, qu'est-ce que je peux faire, là ?
Poké poupée. Ça va, le jeu est sorti vendredi dernier, là. Et je suis au combat final. De l'aventure. Hein. En fait, le problème, c'est qu'elle va me faire bizarre, quoi. Vas-y, la place. Bon, c'est sûr, je meurs. Hein. x4. Hein. Pourquoi elle a l'orbe flamme, mais non. Putain, mais c'est pas possible. Putain, la l'orbe flamme, quoi. Ébullition, d'accord. Donc c'est une attaque haut ébullition, je crois. Hein. Putain, mais elle est tellement pétée que je fais aucun dégât. Bon, c'est très stupide, en fait, d'envoyer Etoraptor. Parce qu'elle va faire laser glace. Je vais soigner mon Luxray. Hein. Putain, quand on va se taper le Karchakrok de l'enfer. Oh non. Oh non, il fait soin. Ça va être chiant. On va profiter, hein. On va faire appel max direct hein, sur ton terrain. Là, j'attends juste qu'ils mettent KO mon Etoraptor de toute façon. Ok. Je pense que je suis plus rapide qu'elle. Hein. Qu'est-ce qui est vu entre Rapace et... Bah, Rapace, hein, logiquement. Bah, je lui fais zéro dégâts, quoi. C'est abusé. Ah, rip et tour à tort. Bon, je dois tenir l'attaque. Hein. Allez, étincelle. Ah, putain, elle va faire guérison en plus, je pense. Elle va faire guérison. Allez, je tente le cage éclair, tant pis. Putain, elle fait soin. Pourquoi elle va faire guérison si elle a soin? Je suis trop con. Elle fera jamais guérison avec Milobulus, elle a soin, quoi. Je suis trop débile. Hein. On va le soigner. Ah, elle attaque, hein. Elle fait pas soin. Hein. Bon, là, elle fait soin. Hein. Ça va passer, hein. Ça va passer. Mais jamais le vive attaque, elle passe, hein. Ah, elle spam soin, mais vas-y, quel enfer. Quel enfer à spammer soin, sérieux.
Bah vas-y, je sais pas, mais c'est en scène, hein. Combat de chien. Putain. Oh là 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 là. Bon, là, il devrait attaquer logiquement, là. Non, elle fait soin, mais putain, mais meuf. Il faut que je lui casse un coup critique, là, sérieux. Oh, quel enfer. Oh là 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 là. Mais je vais pas faire changer Claire. Je t'en supplie, attaque au moins une fois, quoi. Mais pourquoi il spam soin, sérieux? C'est stupide. Ouais, parce que là, elle peut m'attaquer, mais j'ai... Ouais, non, mais là, c'est grave, là. C'est trop chiant. Ah, mais je m'en fous, j'aurai le dernier mot où tu vas te prendre l'étincelle en pleine gueule. Hein. Mais va te faire foutre avec ton orbe flamme, j'avoue. Hein. Et enfin, elle attaque. D'accord, donc je ne sais... Pourquoi il tombe KO, en fait, là? Bon, on sait pas. Je ne comprends pas. Ah, je suis en train de craquer là, c'est chiant. Ouais. Je commence à faire un peu n'importe quoi là. Elle a combien de fois, hein? C'est abusé. Allez, go, 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 on soigne tout le monde, on soigne tout le monde, go, 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 go. À la foutre. Putain, je suis brûlé, mais je te jure. Yo Claude. C'est ici, c'est chiant ce qui se passe. Ah mais ébullition, ça va être plus fort en fait. 14 PV, est-ce que je tiens à la flamme? Oh putain, yes. Incroyable, Mustéflotte. Ah oui, t'as gardé ta Mishrachi, le cheater, ça va. Hein. Putain, mais quel enfer, sa team, Cynthia, par contre, hein, à spammer soin comme un débile. Ah, mais je m'en fous, hein, je vais soigner tout le monde, va te faire foutre. Hein. Ça sert à rien de le soigner en vrai. Hein. Bah ma team elle était bien jusque là. Putain mais il se fait tout le temps brûler lui, c'est un truc de malade. Hein. Ouais mais il va spammer soin comme un mongol. Elle fait que ça depuis le début du combat avec Milobulus, j'en ai marre. Bah tant pis, hein, je vais spammer guérison comme un mongol aussi. Hein. Joue au mongol. Hein. Une attaque haut sur Milobius, ça lui fait quand même un peu de dégâts, non? J'espère pas qu'elle a un talent de merde qui se soigne. Hein. J'ai que morsure.
plus rapide que lui, hein. Faut savoir. Ouais, c'est une team très classique, hein, la mienne. On laisse crever Misty Float, je pense. T'as pas envie d'utiliser guérison ou je me bute. Non, vas-y, crève. Oh, pitié qui fait pas soin ou je sais pas quoi, par pitié. Sale malade, coup critique, mais tranquille, hein, ici. Hein. Ah, dégage, quoi, putain. On l'a enfin mis KO. Ah, c'est vrai que ta team, elle est pas mal. J'avoue. Putain, non, mais sans déconner. Le tritosaure qui est bof, à la limite. Mais ça va, ça tanque bien. Mais non, mais il fait bombeur, quoi. Mais ça retire la moitié, y a rien qui va. Mais qu'est-ce que c'est, cette attaque de l'enfer, quoi. Putain. Genre, mais d'où, quoi. Non, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. C'est bon, là. C'est bon. Ça n'affecte pas, chais. Bah, il a une bonne défense, quoi, Tritosaur. Je sais plus si c'est défense spéciale ou physique. Mais il a pas l'ombre, mais d'où il a pas l'ombre dans ce jeu, là. Ok, ça va. En vrai, il fait pas trop mal, hein. Je vais profiter pour soigner le monde. On va laisser tomber KO Lucario. Et là, je vais faire mon meilleur déflagration dans sa gueule. Bon, tiens-le, je t'en supplie, hein, pas coup critique. Ok. Bon, si je touche, c'est 100% il meurt, j'ai l'objet charbon, il doit crever. Voilà. Oh, j'ai le poison dans les gueules. Ah non, mais déflagration, ça a passé forcément. Spiritomb. Il est de retour pour casser les couilles. Qu'est-ce que je peux... Je peux mettre qui, là? Au pire, je laisse tuer... Son Karchakrok, je suis en train de penser, parce que Karchakrok, il tue Torterra, il tue Itoraptor, il tue Lucario, et il tue Maganon. Donc c'est forcément... Je sais pas qui peut tuer Karchakrok, en vrai, hein, dans ma team. Hein. Franchement, je sais pas. Hein. Ça va être compliqué, hein. Ah, mais il tient quand même. Ah non, mais il tient à cause de l'amitié, mais on s'en fout. Mais... je voulais mettre qui déjà? Luxray, allez hop. Il lui reste Spiritomb, Karchakrok et qui? Je sais plus. Dis-moi que tu fais ballon, moi. Dis-moi que tu fais ballon, moi.
Alors franchement, Eoko, je sais pas du tout à quoi il vaut. Hein. Vraiment, pour être honnête, je sais pas du tout à quoi il vaut. Il fait ballon, yes! Putain, bâtard. Pardon. Non mais c'est bon quoi. Rapace, je pense que je le tue là par contre. Si je le tue pas, et ben c'est la tristesse. Hein. Voilà. Ah, je sais pas du tout, hein. Eoko, franchement. Dis-moi que c'est physique. Putain, c'est spécial. Non, en fait. Lucario, ok. Putain, il attaque en premier, quoi. Ok. Ok. Let's go. Allez, là, ça va être compliqué, là. Soixante-six, mais wesh. À Ryodong, ce serait plus intéressant, ouais, littéralement. Bon, et eh ben là, ça pue la merde. Hein. Là, ça va être très compliqué. Il fait drac ou griffe. En vrai, ça va. Ça serait... Il va faire séisme. Ce serait bien qu'il ait la brûlure. Je vais baisser son attaque comme un connard, hein, tant pis. Hein. Il va faire séisme là. Ok, donc là 100% il meurt. Franchement là ça va être ultra chaud là. Là je sais pas comment je peux le vaincre. Ouais, il va one-shot tout le monde en fait, je pense. On va tenter de faire hyper potion. Je sais pas ce qu'il va faire comme attaque. Qu'est-ce qu'il va faire? Me dis pas qu'il a une attaque électrique en vrai. Oh bah c'est fini, hein. C'est mort. Bah là tu veux que je fasse comment? Il vient de faire dans slam, c'est mort. C'est fini, hein. Torterra, je pensais pareil. Ok, il le tient. Ça, c'est intéressant. Ok, ça va, ça passe. Peau dure. Oh non, il va mourir de dégâts de... Putain... J'allais faire vive attaque sinon, tant pis. C'est fait exprès, Luxray. Hein. On va baisser son attaque. Et je vais soigner quelqu'un qui s'appelle Étoile Thor. T'as s'il fait dans slam par contre, ok, ça va. J'ai baissé son attaque, ça va, allez, allez, ça va le faire. Allez, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Putain, il fait guérison, on s'en fout, let's go, let's go, let's go. Elle est pas bien, elle est pas bien, elle sait qu'elle est dans la merde. Go.
Go. Elle a plus de guérison, là faut y aller. Hein. Oh putain de merde. Est-ce que va réussir à mettre KO mon Torterra là? Elle a plus 1 en dans slam? Je pense pas. Oh si, il va réussir à le mettre. Oh. Oh là, ça va être chaud. Oh, aïe 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 aïe. Je suis plus rapide que lui ou pas? Parce qu'en vrai, rapace, là, ça passe. Hein. En vrai de vrai. C'est vrai que j'ai Aqua Jet. En vrai, ça peut lui faire mal. Hein. Je vais tenter, tant pis. Ce sera la dernière chance. Bon, là, si je me foire... En fait, dans un Quadjet, ça va jamais le tuer. Hein. En fait. Ça va jamais le tuer, un Quadjet. Hein. J'ai baissé son attaque de ouf, normalement. Ça doit passer... Dracogriffe et Céim, c'est physique. Ça, c'est vraiment le pire combat de l'histoire. Vas-y, je tente. Putain, elle attaque en premier. Oh, c'est bon, je le tiens. Let's go! Putain! Et mon Autoraptor meurt avec, mais j'ai encore Torterra, donc c'est bon. Putain, heureusement qu'il a le talent intimidation, bordel de merde. C'est vraiment, c'était pas simple. Hein. Bon, en tout cas, je l'aurais fait en mode choix, le combat, ça aurait été beaucoup plus simple. Bref.
Let's go. J'ai galéré quand même sur Cynthia, faut être honnête, c'était compliqué. Mais ça va, j'ai réfléchi avec mon cerveau. Putain, j'ai claqué tellement de potions, c'était n'importe quoi. Mais bon, mes Pokémon ont été bas niveau finalement contre Cynthia, donc en vrai je m'en sors plutôt bien. Hein. Allez, vous pouvez être fiers de vous. Petit screen pour fêter ça. Que je vais refaire le screen parce que je suis un BG en fait. Voilà. 21 heures de jeu. Donc il faut environ 20 heures pour finir le jeu, on va dire. Et c'est fini. C'est fait. Ans après, on finit le jeu de nouveau. Putain, c'est ouf. Et à part Cynthia, tu roules sur le jeu, honnêtement. Hein. Pour être honnête. Mais ouais, ça fait plaisir d'avoir rejoué à ce jeu. Mais la nostalgie, tu le retrouves pas du tout en vrai. La nostalgie, tu le retrouves quand tu joues en mode portable en fait. Ah, c'est stylé le générique de fin par contre. Incroyable. Et du coup, dans 2 mois, on se retrouve pour les gens d'Arceus. Hein. Non, je vais compléter le Pokédex et tout. On va faire le post-game et tout. Ah, hein. Oh, le Palkia en fond magnifique. En vrai, genre... Qu'est-ce que je peux penser de ce remake? Pas ouf, tu vois. C'est pas du tout la même sensation que j'ai eue avec Ruby Omega et Sapphire Alpha. Genre, tu... C'est un truc amélioré, c'est pas non plus fou. Alors, Ruby Omega et Sapphire Alpha, c'était tellement un truc de fou, je trouve. Comme remake. À côté, c'est petit, ça, c'est dommage. Je pense qu'il y avait tellement de choses à faire dessus. Déjà, juste niveau graphique, hein. Faut être honnête, c'est pas très beau. Une fois de plus. Hein. C'est moins beau que XY, quoi. Enfin, moins beau qu'XY. Non. Ce que je veux dire, c'est que... En fait, c'est moins beau que peut-être que... Mais regarde, pourquoi on n'a pas ces graphismes-là? Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas eu les personnages qui étaient comme ça en fait? Comme sur Let's Go Pikachu et Evoli, pourquoi ils n'ont pas fait les mêmes graphismes? Et regarde, c'est stylé de ouf comme ça en vrai. T'imagines comme ça? Mais ça aurait été dingue en fait. Littéralement. Ça aurait été ouf. C'est vraiment dommage. Mais bon, faut retenir le positif. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y avait pas les CS. En fait, j'essaie de voir ce qu'ils ont amélioré par rapport au jeu de base de 2006. C'est que déjà, le jeu est beaucoup plus rapide, de ouf. Au niveau des animations et tout, les PV qui descendaient pas à 2 à l'heure. Ça, par contre, c'est vraiment bien. Après, maintenant, il faut voir les souterrains, le post-game et tout. Que le jeu n'est pas terminé en soi. Mais ça reste un bon jeu, honnêtement. Je reste positif au-dessus. Et voilà, je pense que épée bouclier, ça restera largement au-dessus, il n'y a aucun débat. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que j'étais vraiment... avant que je voie la gueule du remake, je pensais que
Le remake est largement plus beau que l'épée bouclier. Eh bien non, on a eu un graphisme de Let's Go Pikachu en moins bien quoi. C'est ça un peu les termes. Voilà. Et j'ai trop hâte de faire le post-game du coup plus tard, vraiment. Ça va vraiment être trop bien. Voilà. Faudrait que je mette la tenue platine en vrai. Pas beau. Mais bref. Bon. C'est terminé. Fin. Eh ben les mecs, je vous souhaite à tous du coup une bonne soirée. Parce que c'est fini. C'est triste. c'est la fin des jeux. Je me rends compte que ça a été rapide en fait. Hein. En vrai le jeu je l'ai pas tryhard tant que ça. Mais bref. Bon du coup les mecs. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine. Tchou tchou.